Il me semble que je tousse tout le temps quand je commence une vidéo. Bonsoir. Je vais continuer Red Matter 2. Vous me voyez voir ici. C'est ma deuxième vidéo. J'en ai eu une précédente où j'ai joué pendant 1 h 15 à peu près. Donc je suis rendu à 1 h 15 dans le jeu. Ok. Je pense que je vais mettre des sous-titres pour la simple et unique raison que je suis pas beaucoup d'histoire. Je comprends très bien l'anglais, c'est juste que j'ai pas vraiment fait attention. Je suis quelqu'un de visuel, puis j'ai pas vraiment porté attention à l'histoire tant que ça jusqu'à date. Fait que oui, ça va me sortir de l'immersion là, quand je vais voir les sous-titres, mais au moins, je vais... Au moins, je serai plus attentif un peu à l'histoire. Là, une question que je me pose, c'est la dernière fois que j'ai joué. Quand je t'ai rendu ici, je me sentais un peu, j'avais un genre de malaise. Mais j'ai mis ça sur le dos que j'avais pas assez mangé. Puis là, je me demande si c'est pas les contrôles, les déplacements qui me rendent... Je vais continuer, je vais voir là, si... J'espère que vous voyez l'écran parce que là, je sais que l'image de moi-même est dans le coin, puis je vais essayer de placer ça autrement là, pour que vous puissiez lire. Et l'aspect technique du jeu est tellement plus fun que l'histoire, en fait. Non? Honnêtement, j'ai pas fait attention à tout ce que ça disait. Je vais revoir. Ok. Histoire du military cargo. Ok, c'est ça. C'est insurge du fait que ça devienne base militaire. Il y a des armes. Ouais, c'est ça. Ils ont essayé de s'opposer au fait qu'il y avait des armes. Mais, c'est le truc de communication comme ici. Comment je fais déjà pour... Ouais, comme ça. C'est tellement beau visuellement, là. Tu vas dans d'autres jeux puis tu l'oublies, là. Tu reviens ici, tu fais « Wow ». Il a l'air d'être en plastique, le bouton. Il a tellement l'air vrai, là. Puis les graphismes, tout. Wow! Les autres ont moins l'air vrai, mais lui, il a l'air vrai. Parce qu'il est sale. Et ça, je le disais l'autre fois, c'est beau. Hein. Ouais, peut-être this research lab is fully equipped. It's even got a dedicated server terminal. Perfect. Just what I'd hoped for. I'll need you to send me the data stored on those servers. Je vais faire un petit quelque chose, là. Parce que j'entends ma télé. Ma télé est ouverte. Je joue des fois avec ma télé ouverte. Ok, télé sur mute. Ok, ça ici. Bon, on va voir qu'est-ce que ça dit.
La musique, ça m'empêche d'entendre. Great. Got it. I'll look for anything that might trace back to Stas. J'avais vu ça dans une review qui avait une imprimante 3D. C'est ça là-bas? Ou ça ici, ça c'est... Ok, il faut que je rentre de quoi là? Ok. Là, je décide qu'est-ce que j'imprime. Organ Selection, Organic 3D Printer, Blood Sample, Resin Charge, Organic 3D Printer. D'autres que je peux rentrer là. Ça, c'est juste une lumière. Ok. Un genre de batterie là. Là. Cette affaire-là, ça va là. Ça me donnera rien, il n'y aura plus rien ici. J'ai quoi déjà le piton pour me baisser? Bon, j'ai peut-être pas accès ici. Crouch.
j'en ai 4. Insert bottle facing down. Ouais, ok. Mais elle est où cette... C'est elle? Puis là, je fais. Est-ce que je décide de ce que je fais? Œil, dent, oreille. On va essayer. Printed organs, blood samples. I'm just not seeing the connection to the red matter. I'm still working on those files you sent me. I think I'm real close to finding some answers. Ça va être une bouche. Arrête de bouger. Et un œil. Et je vois au travers. C'est tellement réaliste. C'est malade. Mais je devrais faire quoi avec tout ça? K6. Puis j'étais à quoi?
Beta? Beta, do you read me? Shit. Qu'est-ce qui s'est passé? Sasha, can you hear me? Yes. Yeah, I'm here. Oh, thank goodness. Thought I lost you for a second. What happened? Your vitals are off the charts. The headaches. I'm seeing things. It's just a side effect. Spending as long in the simulation as you have will do that to you. You'll feel better soon. Tout ce qui manque, c'est que je verrai ma silhouette, mais c'est hallucinant. En plus, c'est bombé, là, comme une vieille télé. Password. J'ai-tu vu un password quelque part? C'est vraiment beau. C'est malade ce qu'ils ont fait dans ce jeu-là.
That face. That's Irina, isn't it? Stas was mourning her. Losing her hit him hard. This place, it's where their story began. Maybe that's why he came here. To grieve. Cozy. Hey, ça c'est beau là. Ça a l'air vrai. Puis je dis pas ça à la légère d'un jeu de VR là. Ça... Sasha, I finished going through the recovered data. You'll never believe what I found. What is it? Project Lazarus, Irina's project. They were using the red matter to regenerate organic tissue samples. Severely damaged, even dead ones. She was particularly successful with plant specimens. Wasn't the red matter supposed to be highly dangerous to living beings? Unless handled properly, by the look of it. Irina's research could help save countless lives. Non, c'est ça, tu sais. Je dis pas ça de légère, là, ça a l'air vrai. Les plantes, là. Moins ceux-là, mais les autres là-bas, là. Ok, ça va me servir tantôt. C'est bon à savoir. Quand il y a un coffre ouvert, il faut que je me tourne parce que je prends mon écran vert. Stas can't be far off. Let's press on. C'est tellement beau. Tu fais juste ça tout le long du jeu, tu fais waouh. C'est pas ouvert. Ça marchera pas, ça. Cool. Qu'est-ce que je peux faire avec ça, là? C'est tout? Je me l'attache sur le dos, c'est un jetpack, c'est quoi? On va aller voir là-bas, là. Je reviendrai. Mais
Tabarouette, quasiment l'impression d'être là. La lumière est tellement belle, la roche est belle. Je fais tout ça. Ok, là, là, et en dedans là. Ça veut dire. Il y a la porte, ça serait lui. Qui est en haut là. Là, je suis placé comment là? Ok. Par en haut, par en haut. Les contrôles sont pas évidents là.
Oh, l'autre bord. Mais c'est le fun à faire voler, c'est bizarre. C'est plus le fun que n'importe quoi dans No Man's Sky. Il y a quelque chose dans la physique de ça qui est vraiment réaliste et le fun. Ok, non, c'est pas là. Là, là. Logiquement, c'est en haut. Ouais, recule. Non. Ok. Beta, made it out of the Terraform Labs. Looks like Stas came through here. He went down a hidden access buried under the floor. A hidden access? What do you think he was up to? Not a clue. But we may be about to find out. I'm going down there. Sure is dark in here. Getting hard to see. Your suit has a built-in flashlight module. Use it to brighten your immediate surroundings. That's the one. You can also hold down the left trigger to launch flares to illuminate distant areas. Je pense que c'est pas mon jeu de zombies. Faut que je les lance autrement. Comme ça, non. Ok, t'as peu. On va apprendre à les lancer, là. Ah, comme ça. Pretty sure I've come this way before. Weird. Oui, hein. Ok. C'est un labyrinthe. Ah, c'est comme un fusil, ok. Je finis par comprendre. Il faut que je descende là.
j'ai un peu la chair de poule. Honnêtement, là. C'était plus rare, ça. Il fait vraiment très noir. Beta, I think I'm on the right track. Stars definitely came this way. Okay, great. What on earth was he up to down here? Oh, wow. Wow. Wow, le sens de... De la grandeur, là, de l'échelle. Là. Wow! C'est tellement grand. Dans un jeu comme ça, j'aurais peut-être le vertige éventuellement. Plus que dans Horizon. Oh oui. Ouais, ça marcherait mieux. C'est fou. Il faut que je saute de plateforme en plateforme. Je vais aller là. Je vais m'essayer là, monter, essayer là, peut-être aller sur la galerie là, éventuellement ramasser en haut. Mais ouais, le feeling de peur des hauteurs, là. En haut là, il n'y a rien, je pense. Oh my gosh, this place is huge. It's packed with containers floor to ceiling. According to the cargo manifest, they're all military grade. Origin unspecified. Now that we know what Project Lazarus was all about, Irina, she'd never have agreed to any kind of military involvement. Perhaps they left her no choice. Her back was against the wall. J'étais pas sûr que je me rendrais. Je me rends à la porte. Hey, Beta. Yeah? What's your name? I mean, your real name. I'm not authorized to tell you. Why not? Those are the rules, Sasha. It's just protocol. And besides, it's just a name. Look. Tell you what, after all this is over and done with, I'll buy you a drink. And then maybe I'll tell you my name. Deal. I'll hold you to it. Okay, ce qui serait mieux, ça serait d'aller par là. Parce que de là, je peux pas vraiment monter là. Je peux-tu, genre, monter là, puis sauter là? Monte, 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 monte. Ah, peut-être pas ici. Ouais. Peut-être que ça va marcher. À partir d'ici, genre. Me rends-tu? Parce que là, c'est un... Je suis un petit peu trop loin. Si je pars du coin ici, non? Je me rends-tu là? Pas sûr, pas sûr.
50 façons de le savoir. Hein. Si je rate, je retombe là. Un peu plate. Tantôt. Oups. Ça, c'est mon écran vert. Tantôt, je suis parti. Celui-là? Non, plus bas. Là, à l'ouest, c'était moins loin. Parce que là, en plus... Oups. J'ai une distance de diagonale, là. J'ai perdu la hauteur. Puis si je partais d'ici... Plus haut encore... Ça peut m'aider, la hauteur. Le temps que je descende, là, je vais peut-être être capable de... Juste au moins de m'accrocher sur un, là. Essayez. Peut-être être bon de me relancer, là. Pas mal mieux que je pensais. Ça a marché pas mal mieux que je pensais. Là, il faut que je m'arrête à la bonne place. Faut pas que je me lance trop fort. Oui. Je suis correct. Ça va. This section of the wall's been completely destroyed. It's gotta be Stas. What in the world was he looking for? There's some kind of workstation down here. There shouldn't be. At least not according to my blueprints. I'm gonna drop down and take a closer look. Reflet, là. Wow. Malade. C'est tellement beau. A bunch of servers, comms equipment. There's a large screen displaying the Cosmobureau insignia. A comms room? Polyakov must have used this room to update the Cosmobureau on Project Lazarus. Quelle heure il est? 9h34. Son graffinier. C'est pas allumé. Stas was checking the entire database on that terminal. What did he find? I'm on it. Got him. I've gained access. Arena. Hmm.
She was chosen to be a part of an experimental project. But she was killed at Strelka N3. How could she have been chosen? Beta, she's alive. Irina is still alive. They took her to Strelka N1. She's alive? How? Stas is headed that way. Beta, I'm going after him. All right, let's do this. Let's find a way off this damn rock. Okay, faut que j'aille ouvrir la porte. Ah, ok. Et on va s'envoler. On va sur Strelka 1 qui ont dit. N1. Triton N1. Tosca. Ok. Donc, ça c'est pour fermer la porte. Je vais me replacer droit là. Ok. Ça, c'est peut-être pour décoller. Oui, attendez, là. Faut choisir destination, voilà. Je choisis pas. Ah oui, ok, c'est bon. Choisir une fois qu'on va décoller. Wow. Why take Irina away? Why fake her death? I don't understand why the Cosmo Bureau would do this. There's got to be a reason. Beta, can the Cosmo Bureau be trusted? Of course they can. They ordered your rescue. If not for them, you'd be dead. Let's go after Stas. I'm sure we'll find some answers at Strelka N1. I hope you're right. So where do we find this place? On Triton. But it'll take a while. You might want to enter the coordinates into the navigation system and switch to autopilot. Triton, County. Tosca Station. C'est ça qu'elle a dit? Mercure. Vénus. La Terre doit être là. La Lune. Ça va sur Triton. Jupiter. Europa. Encore une fois, j'ai pas été attentif. C'est quelle planète déjà? Quelle sur la lune de quelle planète qu'on voit? Ça
va m'apprendre à écouter. Ah, tiens, c'est là qu'on part. Ok, Uranus, c'est où? Oh. Est-ce qu'on fait un pit stop puis après ça on va se try ça. Ok, j'ai compris. All right, Sasha, it's going to be a long trek. You should rest. I'll wake you up just before the ship lands. Je vais regarder un peu, mais après ça, je vais arrêter. Là. C'est là que je vais arrêter. Rise and shine, Sasha. Welcome to Triton. How are you feeling? You get some rest? Yeah, good as new. Good. Glad to hear it. Why don't you head on outside and investigate while I try to pinpoint your current position? La glace est belle. Tout est d'une précision incroyable. C'est sûr que quand tu t'approches, là, tu sens que c'est des dessins, là, tu sens que c'est des photos ou des. Mais une certaine distance, là, c'est tellement beau, là. Oh, wow. Ah, pour les tripeux de science-fiction, là, ce jeu-là, là. C'est malade. Beta, where exactly did I land? How far off is the base? Judging from your coordinates, it looks like you've landed on one of Strelka N1's satellite nodes. The fastest way to the main entrance is via the rail network. There's a station nearby. Find it, and you can hitch a ride that'll take you directly to the base's entrance. Pas tombé.
feeling d'être dans de vraies cavernes. Puis quand c'est noir, là. Tu vois rien pantoute, là. C'est... C'est fou, c'est fou. Faut vraiment que t'éclaires parce que j'aurais pu tomber, là. I've located the rail station. I can see the tracks. Got it. Find a way to restore the power so you can get the train moving. Capture d'écran. Ok, mais je vais reprendre la prochaine fois. Oh, que c'est beau, puis c'est... Bon, je me répète, là. C'est précis. Précis, loin. Tout est précis. T'as pas besoin de tout le temps gosser sur le casque comme dans d'autres jeux. C'est tellement... C'est vraiment un jeu qui te force à arrêter puis à regarder tout le temps autour de toi puis à regarder tous tes environnements puis toutes les textures. Là, je vais prendre le temps d'étudier ça, là. Et je vais aller connecter tout ça. Ok, ben à la prochaine fois. Merci d'avoir regardé.